Bonjour, ici Léo Hudon et bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Maëlie Gondy qui va nous parler de la disparition des abeilles. Ensuite, on reçoit Rosalie Ouellette qui nous parle de la hausse des taux d'intérêt. Par après, on reçoit Salomé Porcheron qui va nous parler d'Octobre rose. Et ensuite, on reçoit Louis McDonald Blanchet qui nous parle du nouveau programme ATM. Après, on va recevoir Laurence Ravinier qui va nous parler de Alexandre l'Italien. Ensuite, on reçoit Marika Gilbert qui va nous parler de l'expansion de l'entrepôt Solem. Et pour terminer, on va parler avec Aglaé Limousin de Yannick Gagnon et son plan pour la jeunesse. Et on commence tout de suite avec Maëlie Gondy qui va nous parler de la disparition des abeilles. Bonjour Maëlie. Bonjour Léo. Donc, quelles sont les principales causes de la disparition des abeilles? La cause de la disparition des abeilles sont assez multiples, mais je vais te donner les deux facteurs principaux. On a dans un premier temps le réchauffement climatique, et avec ce réchauffement climatique, il y a l'apparition de nouveaux prédateurs et d'insectes nuisibles pour les abeilles. Et il y a dans un second temps, l'agriculture qui joue son rôle avec l'utilisation massive de pesticides. Et ces pesticides ont différents effets sur les abeilles. Et en plus de cela, il y a des pesticides qui sont nuisibles pour ces abeilles et qui se dispersent en temps de pluie. Donc ça veut dire qu'ils contaminent d'autant plus de terre et qui va donc tuer aussi plus d'abeilles. Vous dites que les pesticides ont des effets négatifs sur les abeilles. C'est quoi ces effets-là? Oui, en effet, les pesticides ont de vastes effets sur les abeilles. Mais je vais t'en donner trois principaux. Il y a dans un premier temps des morts prématurées, des paralysies ainsi que des pertes d'orientation. Et qu'est-ce qui se passerait pour l'homme si les abeilles disparaissaient? Mais en soi, ce serait un réel désastre pour l'humanité, dans le sens où on ne s'en rend pas vraiment compte, mais les abeilles sont vraiment responsables d'une grande partie de notre alimentation. En effet, selon Stéphane Bouchard, elles produisent 84% de notre alimentation totale, donc ce qui veut dire que s'il n'y a plus d'abeilles, nos rayons de supermarché seraient vides et l'homme serait amené à être vraiment carencé, dans le sens où il aurait un régime trop pauvre en fibres, en vitamines, etc. Et selon vos sources, c'est quoi le pourcentage de la disparition des abeilles en ce moment? Mais selon Stéphane Bouchard, qui est un apiculteur de la région et qui est propriétaire de Vallée au Miel, sur l'hiver 2021, il a perdu 100 ruches sur ses 200, donc on estime une perte de 50%. Et les gouvernements mettent-ils des solutions en place? Mais encore une fois, selon Stéphane Bouchard, non, ils n'en mettent pas assez. Parce qu'ils continuent d'entretenir les espaces publics, les terrains de golf, etc. avec l'utilisation de pesticides. Mais parfait, merci beaucoup Maëlie. Avec plaisir. On se dirige maintenant du côté des finances avec Rosalie qui va nous parler de la hausse des taux d'intérêt. Bonjour Rosalie. Bonjour. Les taux d'intérêt ont monté le 26 octobre dernier. À quel pourcentage ce taux est maintenant évalué? Oui, donc dans le fond, la Banque du Canada a évalué son taux directeur actuellement à 3,75. Donc, c'est une hausse de 0,5 qui est survenue le 26 octobre dernier. Et c'est également la sixième hausse déjà depuis le début de l'année 2022. Et pourquoi la Banque du Canada a encore monté ce taux? Dans le fond, la principale raison, c'est pour vraiment diminuer l'inflation qu'on ressent beaucoup depuis la dernière année. Donc, en augmentant les taux, les personnes avec des prêts hypothécaires et ou juste n'importe quelle autre sorte de prêt bancaire vont payer beaucoup plus cher au niveau de leur taux. Donc, en payant plus cher pour leur taux, ils vont être portés à moins dépenser pour des dépenses non essentielles. Donc, en dépensant moins et en consommant moins, c'est vraiment ça qui va aider à l'inflation à redescendre et à redevenir plus à la normale. Et est-ce que la hausse des taux d'intérêt ont un impact sur les hypothèques? Oui, absolument. Comme j'ai mentionné, les personnes avec des prêts hypothécaires, ils payent beaucoup plus cher au niveau des taux. Pour vous donner un exemple plus concret, une personne qui payait 140 $ par mois pour son hypothèque avec un taux fixe à 3%, bien, elle risque probablement de payer en ce moment jusqu'à 200 $ avec un taux fixe à 5,5%. Donc, c'est quand même une différence assez importante. Et est-ce que ce taux risque de revenir à la baisse? Oui, selon la conseillère en finances personnelles, Laurie Miville, avec qui je me suis entretenue, elle affirme qu'il va y avoir une dernière hausse du taux d'intérêt en décembre, mais que ce serait la dernière, puis que ce serait fort probable de revoir un taux à 2% d'ici les 2 à 3 prochaines années, comme on l'a connu de cela il y a environ 2 ans. Bien, parfait. Merci beaucoup, Rosalie. Merci à toi. On va maintenant parler de la santé avec Salomé, qui va nous parler d'Octobre rose. Bonjour, Salomé. Bonjour, Léo.
Donc, c'est quoi Octobre Rose exactement? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, l'Octobre Rose, c'est un mois de sensibilisation et de mobilisation du grand public et des associations contre le cancer du sein. Donc, dans le monde entier, du 1er au 30 octobre, des rencontres ont lieu pour informer, aider à la recherche et sensibiliser le public sur cette maladie. Avez-vous un exemple d'association qui a été créée pour cette cause? Oui, bien sûr. J'ai l'association d'Isabelle Deschamps, qui est une femme de 43 ans. Elle est originaire des Landes en France et elle a elle-même créé son association Les Princes en 2020 pour justement aider le plus grand nombre de femmes sur ce combat. Et qu'est-ce que recherche Isabelle? Alors, elle a malheureusement elle-même été touchée par ce cancer. Donc, elle veut tout d'abord prévenir des signes avant-coureurs de la maladie et des traitements à suivre si jamais une femme est touchée. Mais elle veut surtout renvoyer une image plus positive de la prévention pour favoriser la prévention, justement, comme je disais. Et elle m'a confié lors de notre entrevue que les actions de communication, de nos jours, elles font peur. Donc, elle souhaite renvoyer l'image d'une femme courageuse, forte, qui a réussi à combattre la maladie et que c'est désormais une force et non un sujet tabou au sein de la société. Et qu'est-ce qu'elle met en place pour les femmes qui ont été atteintes de cette maladie? Alors, elle met d'abord en place des actions spécifiques pour justement aider les femmes pendant leur rémission et leur traitement. Et elle met aussi en place des démarches pour sensibiliser le public. Donc chaque année, les marches, elles augmentent de participants. Par exemple, la première, elle attendait 350 participants. Et au final, il y en a eu 1500. Donc c'est vraiment un bon signe pour l'avenir de l'association et en général de l'événement Octobre Rose. Mais parfait, merci beaucoup Salomé. Merci. Maintenant, parlons d'ATM et plus précisément son nouveau programme avec Louis. Bonjour Louis. Bonjour Léo. En octobre dernier, le cégep de Jonquière a annoncé un nouveau programme pour ATM. Qu'est-ce que c'est précisément? Il se nomme Animation 3D et Synthèse d'image. Que sera ce programme plus précisément? Ça va être un programme basé sur la création 3D et les effets visuels pour les jeux vidéo et les films. Quel type de métier on peut faire après avoir fait ce programme-là? On peut travailler pour les producteurs de jeux vidéo et les producteurs de cinéma pour créer des personnages et créer des atmosphères avec des effets visuels. La première cohorte est prévue pour quand et combien d'étudiants seront admis? Elle est prévue pour l'automne 2024 et 40 étudiants seront admis. Des rénovations et des agrandissements seront-ils nécessaires? À l'été 2024, ils vont faire des rénovations pour créer des laboratoires informatiques pour le nouveau cours, puis pour améliorer les locales de cinéma et télévision. Et est-ce que le cégep de Jonquière est le seul à avoir ce programme? Non, il va être le 7e établissement public à offrir ce programme. C'est pour ça qu'ils ont décidé de prendre seulement 40 étudiants pour concentrer plus pour la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci beaucoup, Louis. Parlons maintenant de politique avec Laurence, qui va nous parler d'un jeune homme qui s'est lancé en politique dans les dernières élections provinciales. Bonjour Laurence. Bonjour Léo. De qui nous parles-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler d'Alexandre Italien, qui est un jeune politicien et écrivain aussi. Il a 20 ans, c'était le plus jeune en Mauricie à se présenter aux élections provinciales le 3 octobre dernier pour le Parti québécois à Champlain. C'est un futur professeur d'histoire et géographie aussi au secondaire. Il est en train de faire son bac. Et c'est pas mal ça. Et comment il fait pour s'impliquer dans la communauté en étant politicien? Ça fait 2 ans qu'il est représentant jeune du côté de Champlain aussi. Il s'est toujours très impliqué depuis qu'il est tout jeune. Il a toujours été super alerte pour qu'est-ce qui est politique. Est-ce qu'il compte se présenter dans les prochaines élections? C'est vraiment incertain parce qu'il ne sait pas où il va être rendu dans la vie avec sa prochaine carrière vu qu'il est encore à l'université. Déjà que pour l'instant, cette année, c'était assez de charge de travail parce que il était à l'école en même temps, il fait des stages et tout. Ça va vraiment dépendre aussi de tout ce qui est financier parce que ça peut quand même coûter cher de temps en temps. Et qu'est-ce que son expérience lui a apporté? Il m'a expliqué qu'il était super reconnaissant de l'acquis qu'il a réussi à avoir avec tout ça. Étant jeune comme ça, c'est sûr que ça lui a apporté une très belle expérience. Et Alexandre a écrit des livres. Oui, parle-nous-en un petit peu. Oui, dans le fond, son premier, il s'appelle Mathéo. Il l'a écrit quand il avait 15 ans. C'est un conte pour enfants qu'il a écrit et illustré lui-même. C'est inspiré de l'enlèvement de Cédrica Provencher. C'est vraiment comme une petite leçon qui dit que c'est vraiment pour l'expliquer, mais
Ça finit bien, là. C'est vraiment pas comme l'histoire de Cédric Provencher. Et le deuxième s'appelle « La plume et l'oiseau ». C'est un poème qu'il a écrit 2 ans plus tard que le premier. C'est vraiment une combinaison de ses deux passions, l'écriture et les oiseaux. C'est tout lui qui a pris les photos et tout. Il les a écrits et illustrés. Merci beaucoup, Laurence. Merci, Léo. On va maintenant parler d'une entreprise locale avec Marika qui va nous parler de Solem. Bonjour, Marika. Bonjour, Léo. Quel projet Solem est-il en train d'entreprendre? Oui, bien en fait, avec une croissance annuelle d'environ 220%, on comprend que Solem est une jeune entreprise avec beaucoup de vent dans les voiles. C'est d'ailleurs pourquoi les deux propriétaires ont choisi d'investir 400 000 $ dans un projet d'expansion de leur entrepôt qui est situé à Héberville au lac Saint-Jean. Pourquoi ils doivent agrandir leur entrepôt? En fait, comme l'a expliqué Mylène Lessard, l'une des deux propriétaires, puisque Solem fait affaire avec l'Asie pour l'importation de leurs produits, ils ont fait face à des enjeux d'approvisionnement importants lors de la pandémie et de la guerre en Ukraine. C'est ce qui les a obligés à prévoir un inventaire de 4 à 6 mois, donc automatiquement, ça occupe plus d'espace dans l'entrepôt. Puis, avec l'expansion, ils désirent aussi installer un espace de travail pour tous les membres de l'équipe Solem. Et en quoi consiste l'agrandissement en termes d'installation? Oui, en fait, les deux propriétaires souhaitent doubler la superficie du bâtiment, qui est initialement de 625 pieds carrés. Pour ce qui est de la partie existante de l'entrepôt, ça va devenir l'espace administratif, puis on souhaite également créer un espace boutique pour accueillir les clients. Pour ce qui est de la partie neuve, donc de l'agrandissement, ça va vraiment être la section entrepôt où on reçoit l'inventaire, on fait le contrôle qualité et on s'occupe des commandes. Est-ce qu'il va y avoir d'autres agrandissements prévus pour Solem? Oui, en fait, les deux propriétaires ont prévu un projet d'agrandissement qui comporte 3 phases de développement. Donc, en plus de la phase actuelle qui est d'agrandir l'entrepôt, on peut également prévoir une deuxième phase qui sera l'expansion par l'arrière du bâtiment ou un deuxième étage. Et comme me l'a mentionné Mylène lors de l'entrevue, ça va probablement arriver plus rapidement que prévu. Donc, c'est un beau problème pour l'entreprise. Merci beaucoup, Marika. Merci beaucoup, Léo. Pour terminer, nous allons parler de politique avec Aglaé, qui va nous parler de Yannick Gagnon et son plan pour la jeunesse. Bonjour Aglaé. Bonjour Léo. Peux-tu nous présenter Yannick Gagnon? Yannick Gagnon, c'est le nouveau député caquiste de Jonquière, qui était anciennement le directeur du Patro de Jonquière, le Patro qui a un camp de jour pour les jeunes de toute classe sociale. Et c'est quoi son plan pour faire entendre la jeunesse jonquiéroise? Après une entrevue avec lui, il a pu me parler d'un de ses plans principaux, c'est de créer un conseil pour les jeunes pour les entendre environ tous les 3 mois, afin de créer des objectifs et créer des projets avec eux. Et quels sont ses objectifs pour la société? Pour la société en général, il a plusieurs objectifs, comme par exemple, il veut rénover l'hôpital de Jonquière, afin que les Jonquierois aient un vrai hôpital, et aussi faire en sorte que le lac Kenogami soit de plus en plus écologique, parce que c'est la plus grosse source d'eau potable de Jonquière. Et c'est quoi son objectif sur le long terme? Sur le long terme, Yannick Gagnon il veut vraiment développer la ville de Jonquière, la moderniser, la rendre plus attractive, que ce soit pour les jeunes ou les moins jeunes. Et justement, avec son plan pour les jeunes, c'est de ramener les jeunes à un maximum à Jonquière, parce qu'on le sait tous, ils s'en vont de plus en plus vers les grandes villes. Et à quoi on peut s'attendre pour le mandat de Yannick Gagnon? Pour son mandat, on s'attend vraiment à ce qu'il bouge les choses à Jonquière. Il a été élu vraiment pratiquement à l'unanimité par les Jonquierrois. Et on peut s'attendre vraiment qu'il développe la ville, qu'il développe la Saint-Do, qui était vraiment une rue très connue avant, très célèbre, par rapport à ses bars ou par rapport à ses magasins, ses épiceries. Et il veut faire renaître ça à Jonquière. Il veut faire renaître la voix des jeunes. Dans la ville de Jonquière, que ce soit au cégep ou au secondaire ou autre. Ben parfait, merci beaucoup Aglaé. C'est déjà la fin de cette émission. J'aimerais remercier mes journalistes, Maëlie, Rosalie, Salomé, Louis, Laurence, Marika et Aglaé. Et j'aimerais vous remercier vous aussi, chers téléspectateurs, et on se voit la prochaine.